été majoré de 25%. Quand il y aura un gouvernement vrai, on saura. Le gouvernement, c'est Martinel, sur BHL TV. Moi, je considère qu'ils ne vont pas être très contents. Mais il y a les ordonnances, il y a la situation dans la fonction publique. Et vous avez vu la mobilisation du 10 octobre. Et donc, les syndicats continuent à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire. Il y a les retraités, il y a la jeunesse. Dans certains cortèges, d'après mes informations, il y avait une jeunesse qui commençait à dire il y en a marre. Il y a toute une série de mesures qui montrent que le gouvernement fait... T'avais froid, tu veux que je ferme. Et puis, il délaisse 90% de la population de ce pays. Alors, ça tombe mal dans une situation où, grâce à l'excellent travail des journalistes, on vient à nouveau de découvrir que... Pierre-Lain, il y a ton père et... du basilic, enfin, hein, dans ce que tu fais cuire. Il faut... non, de l'estragon. Ah oui, tourne, en tout cas, se débrouille. L'optimisation fiscale, voilà. Légale. Oui, c'est la nouvelle formule immorale, mais légale, hein, c'est ça? Non, en tout cas, c'est... Donc, il y en a qui... un citoyen lambda qui... oublie ou enfin qui fait une erreur sur sa déclaration de revenus, on ne le rate pas. Et puis d'autres, eh bien, ils font de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire ils ne contribuent pas à la hauteur qu'il faudrait à, comme le mec du foot. On est qu'en 2017 encore. Hein. Ils ont déjà touché le pognon jusqu'en 2018. C'est ce que j'ai niqué mon internet. Voilà. Alors, je voudrais vous dire sur une manifestation, parce que je voudrais vous citer Laurent Berger, votre collègue de la CFDT. Il dit: les manifestations, ça sert à montrer nos faiblesses. Ça donne au gouvernement des arguments pour ranger les syndicats dans les étagères du vieux monde. Non, mais ça, c'est un vieux rêve du gouvernement, et encore plus de M. Macron, de ranger les syndicats dans les étagères. D'ailleurs, il ne veut même plus qu'il y ait de syndicats les entreprises, puisqu'il veut nous écarter des négociations. La réalité, elle est tout autre. Oui, mais les manifestations, quand vous n'êtes pas assez nombreux, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de montrer que vous servez à quelque chose. Quand on n'est pas assez nombreux, premièrement, je vous ai dit qu'il fallait regarder... il n'y a pas que les manifestations, il y a ce qui se passe dans les entreprises. Et ça prouve qu'il y a encore besoin de travailler, d'expliquer, et puis de dire on peut faire autrement, on peut faire autre chose. Vous savez que la CGT a beaucoup de propositions en matière d'augmentation des salaires, de réduction du temps de travail, de sécurité sociale professionnelle. Donc il faut s'expliquer parce que, évidemment, le mécontentement, il est là. Mais si les citoyens et les salariés et les travailleurs considèrent... Pourquoi tu ne parles pas du nouvel ordre mondial? Eh, hey, Martinez, Philippe, chez BHL. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui, dans le fond, peut-être... Attention, je ne veux pas m'énerver, mais c'est pas loin. Pourquoi tu parles pas du nouvel ordre mondial? Pourquoi tu dis les syndicats, les syndicats? CGT, moi. Conseil Galactique Temporel, Chevalier Galactique Temporel. Arrêtez avec tout autre, je le sais, je suis pas que con. Merde. Vous le savez, aux dernières élections législatives, il y a eu moins de participation que dans les élections professionnelles. Qui conteste l'élection d'un député? Personne. Avec moins de participation. Donc, il faut un réputé, on voudrait des réputés, nous. Il y a plus d'adhérents dans les organisations syndicales que dans l'ensemble des partis politiques. Alors, je sais bien qu'à En Marche, il paraît qu'il suffit de cliquer sur la souris pour être adhérent. Nous, chez nous, quand on est adhérent, on paye des cotisations. Oui, donc il faut arrêter avec cette vieille rengaine. Oui, les syndicats dérangent. Monsieur Macron rêve d'avoir autour de lui ou à côté de lui des gens qui pensent comme lui. Bah, dans ce pays, c'est la démocratie. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit et on le montre aussi. Bah, putain, et moi, on m'empêche. On m'empêche de le dire. Il était à Marseille aujourd'hui. La manière dont a été organisée la résistance a beaucoup pâti de la division syndicale, d'une part, et d'autre part, de la séparation entre les forces politiques et les forces syndicales et associatives. Il faut être capable de regarder ça en face pour résoudre le problème pour les autres échéances. C'est votre faute. Ça marche pas. Ça va cramer. Ça marche pas. C'est ce qu'il dit, Jean-Claude. Il dit la même chose.